Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super intéressante qui va dans la continuité de ce que j'avais commencé à faire pour la série de vidéos sur le rasage. Avec la première vidéo, c'était le tutoriel complet sur comment se raser. Et aujourd'hui on commence avec la première vidéo de ce qui entoure cette fameuse vidéo et cette fameuse série sur le rasage. C'est la présentation des coffrets Pro Raso. Alors les coffrets Pro Raso, c'est des kits de rasage qui se présentent comme ceci. Pour ceux qui me suivent depuis le début, j'avais fait la formation Pro Raso où j'avais appris les différents protocoles de rasage à l'italienne et donc j'étais devenu un barbier italien Pro Raso. Et c'est pour ça que je vous présente cette marque et du coup ces coffrets de rasage parce que c'est déjà une très bonne base et pour moi c'est la base en fait du rasage classique, du rasage à l'italienne. Alors dans ces kits, on a toujours trois choses. Ça va être la crème de pré-rasage, le savon à barbe qui se présente en crème, en tube de crème à raser, et puis le liquide d'après-rasage, donc le baume d'après-rasage. Donc à l'intérieur, je vais vous montrer, ça c'est la couleur verte, c'est le kit de rasage traditionnel, enfin de base en fait, qui a l'odeur menthol et eucalyptus. Donc comment ça se présente? Voilà, une fois que vous l'ouvrez, vous avez juste ici le baume d'après-rasage, ici la crème de pré-rasage et ensuite le tube de crème à raser. Donc ça voilà, c'est vraiment l'odeur traditionnelle. Rien que d'avoir ouvert la boîte, j'ai l'odeur, je vous raconte pas, c'est magnifique. Pour ceux qui me suivent pas encore sur Instagram, allez vite me suivre parce que je vais bientôt faire gagner plusieurs de ces coffrets. Même si la vidéo est déjà passée depuis un certain temps, suivez-moi parce que je ferai souvent des jeux concours comme ça pour vous régaler. Donc, ensuite on a d'autres odeurs et d'autres spécificités puisque du coup on a trois kit de rasage. Le deuxième, celui qui ressemble le plus au traditionnel, c'est celui-ci. C'est la couleur blanche et du coup c'est pour la peau sensible. Donc je vous montre l'intérieur. Donc le peau sensible, voilà, couleur blanche. Donc toujours pareil, on a l'aftershave, la crème de pré-rasage et puis la crème à raser. Donc là l'odeur pour celui-ci c'est thé vert et avoine. Ça sent bon. C'est pas celui que je préfère, mais d'ailleurs c'est l'odeur que je préfère le moins des trois, mais je sais que c'est souvent celui qui est le plus utilisé, tout simplement parce que ça évite de prendre des risques. Mais je sais que pour l'avoir déjà utilisé par exemple sur un rasage de crâne avec des cheveux ultra durs, le mec a des cheveux épais, c'est plus des cheveux, c'est des poils de sanglier, ben je peux vous assurer que ça a du mal à passer. Alors qu'avec le dernier, le barbe dur, on va pouvoir raser des poils de l'extrême. Et c'est pour ça que celui-ci, je pense que c'est mon préféré. Moi, honnêtement, si je devais en faire un, en prendre un, d'office, ça serait celui-ci. Donc, toujours même chose. On a la crème de pré-rasage, la crème à raser. Et puis, cette fois-ci, la petite différence, c'est que là, c'est pas un baume laiteux comme les deux autres. C'est vraiment de l'alcool quasiment pur, enfin j'abuse quand je dis ça, mais je vais vous montrer un petit peu. Là on est vraiment pas sur quelque chose de laiteux comme les deux autres, on a vraiment un produit, voilà. C'est une lotion après rasage aftershave, un type aftershave, et elle sent très très bon cette dernière odeur, puisque c'est beurre de karité et huile de bois de santal. Honnêtement, moi c'est celle que j'affectionne le plus, parce que là on est vraiment sur un truc d'homme dur, fort. Et franchement, ça tue cette odeur. Après, si demain vous en avez un à investir, bah écoutez, c'est la base, parce que celui-ci, c'est quand même ce qui se rapproche le plus, en fait, des odeurs classiques. Voilà, je pense que ça va à tout le monde, des odeurs de menthol et puis d'eucalyptus, c'est vraiment la base. Après, à savoir que ces kits de rasage existent chez d'autres marques. Je vous en ai sorti une autre, par exemple, que je vous présenterai bientôt sur la chaîne. On fera une vidéo dédiée parce que bon voilà, ça reste quand même un petit kiff. C'est The Bluebird Revenge, c'est une marque anglaise. Et puis donc eux ont fait un petit peu ce même type de kit. Voilà. Sauf que à la petite différence, c'est que eux ont mis une petite serviette dedans. Et donc là, on a le baume. On va virer la serviette pour qu'on voit vraiment bien. Là, on a l'huile de pré-rasage. Eux, c'est pas des baumes de pré-rasage, c'est une huile de pré-rasage. Mais je vous ai déjà expliqué tout ça dans l'autre vidéo tutoriel. Là, on a la crème de rasage. Et puis là, on a le baume d'après-rasage.
ça, ce qui est bien avec ce petit kit, c'est ce qui m'a fait donner l'envie de le tester, c'est qu'on a la petite serviette en prime, qui est bien sympa. Et puis bon, pour préparer la peau, c'est quand même un petit luxe. On testera ça bientôt. Voilà l'équipe pour l'introduction du coup de l'univers ProRaso. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette petite présentation et ces petites explications. C'est vraiment quelque chose de très basique en fait pour moi, pour le monde des barbiers. Quand j'entends barbier au sens strict du terme, ceux qui font vraiment des vrais rasages, pas mettre un petit peu de gel Red One ou je sais pas quelle autre marque, Bandido et puis raser comme ça. Non, non, là je parle vraiment des vrais protocoles de soins. Pour moi c'est une base et aujourd'hui je pense que ça doit devenir une base pour vous les barbiers et puis pour vous les hommes à la maison qui voulez vous raser correctement et vraiment vous faire des vrais kiffs, parce que là c'est vraiment, on commence à rentrer dans quelque chose de vraiment kiffant, d'avoir ces odeurs et puis d'avoir cette qualité de soins, puisque une fois qu'on se rase avec ça, honnêtement on a la peau qui est refaite. C'est comme avoir fait des peelings ou je sais pas comment on appelle ça, vraiment voilà, on a la peau après, elle est ultra douce, c'est magnifique. Donc si vous avez jamais testé, je vous encourage vraiment à tester ça. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Instagram, comme je vous ai dit je vais vous en faire gagner. J'ai vraiment à cœur que vous découvriez tout ça, parce que vraiment du jour au lendemain, là, vous allez commencer à pouvoir vraiment plus prendre soin de vous et puis vraiment kiffer le rasage. Ça sera plus juste pour ceux qui sont encore à la tondeuse, mettre un coup de tondeuse et puis voilà, on s'en fout un petit peu. Voilà. Là, on a de quoi step up le level. Comme d'habitude, l'équipe, vous pouvez lâcher vos commentaires sur la vidéo. Je répondrai parce que franchement, j'ai hâte d'avoir vos avis pour ceux qui n'ont pas encore essayé, puis pour ceux qui connaissent déjà et qui ont... Voilà, cette même idée que moi, que ProRaso, c'est la base, et ce genre de kit, c'est la base pour se raser. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la si le cœur vous en dit. Et puis moi, je vous dis à plus l'équipe.